Après avoir passé un mois à l'intérieur du pays dans le cadre de l'immersion gouvernementale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, a convoqué un rassemblement ce vendredi 24 juin dans l'enceinte de son département à Coléa. Une occasion que le ministre Bachir Diallo a saisie pour donner, pour la première fois, sa version des faits sur la prétendue gifle infligée à son subordonné, le capitaine Souma. Sur la question, le ministre Bachir Diallo s'est montré catégorique en rejetant en bloc cette accusation. Par contre, il aurait juste fait reculer ce dernier avec la main gauche. On a dit que j'ai giflé un policier. C'est faux, je ne l'ai jamais fait. Quand je suis descendu de mon bureau, j'ai dit trouver l'agent que j'avais simplement reculé avec la main gauche dans laquelle j'avais mon téléphone. C'était devant les gens. L'acte s'est passé exactement comme tel, mais chaque chose a son temps pour être évoquée. Ce n'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour me justifier, et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté ce jour peuvent témoigner, a-t-il expliqué. Ici, on a dit que j'ai giflé un policier. Faux. Je ne l'ai jamais fait. Je suis descendu ici. Quand je suis descendu, j'ai dit à l'agent ce que j'avais à lui dire. Et je l'ai juste reculé avec ma main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté, ils le savent. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais à chaque chose, son temps pour parler. C'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour le justifier. Et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas, ils le savent. Donc, j'en appelle à tout le monde pour que nous travaillions tous dans la même direction et dans le même esprit. Ce n'est pas parce qu'on a dit ailleurs, à la presse, il y a ça, ça. Si ce que vous êtes en train de faire, vous savez que vous le faites là, le cœur, faites-le et avancez.